Je viens de me faire une petite séance là. Ça fait grave longtemps. Genre maintenant là comme ça? À 1h du mat? En vrai il est pas trop tard tu vois. Il est pas trop tard. Mais attends, il faut que je trouve mon truc pour tenir la cam. Non, j'ai cours demain, STP. Bah vas-y, vas-y. Vas-y. Merci Wola Rose pour les 5 subs, merci beaucoup. Merci AIMSRV pour les Twitch Prime, merci mon vieux. On a toujours pas trouvé comment streamer avec la GoPro en plus. Mais vas-y, je suis chaud moi. Je vais me faire un micro truc, c'est un tout petit truc. Un tout petit truc, les gars. Faut juste que je trouve mon... Je sais plus où je l'ai foutu. A chaque fois je le bouge les gars parce que tu sais genre je voyage ou un truc comme ça et après je sais pas où je l'ai foutu quoi. A chaque fois les gars. À chaque fois. Tonton, merci 5 mois, merci les gars. À 1h du mat ça va, c'est pas trop tard, vous pouvez faire des pompes les gars. Séance de sport, les gars, je sais pas où je l'ai foutu. Ça me casse les couilles, je sais pas où j'ai foutu mon gimbal là. Et qui c'est qui me balance des roquettes là? Qui c'est qui me balance des roquettes? Attends, je cherche là, les gars, je cherche. Allô? Allô? Waouh! Comme ça. Allô? 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 Mais attendez, vous entendez un truc? Allô? Vous entendez un truc, non? Il y a un truc? C'est ça? Oh, mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable ce truc. Là, ça marche nickel. C'est incroyable ce truc, les gars. Bah oui. Oui, tu veux filmer? Je vais faire un peu de sport. Si, là, ça fait longtemps. Tiens. Pourquoi tu fais ça, là? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Tiens, regarde. Attends, là, tu touches. Mais là. Là, attends, là je vais tourner la caméra. Mais c'est normal que tu sois en tout petit. Ouais. Oh. Regarde. Quoi? Voilà. Ah. Et là tu tournes la caméra ici. Non. Si ça. Non. Oui, mais si t'as envie. Ah. Attends. Viens, on va faire du. Tu veux pas changer le pneu? Viens-moi. Viens-moi. Eh, tout marche, les gars? Mais. Tiens, regarde, viens-moi. L'écrit à moi. Pourquoi tu. Là, tu peux me filmer moi. Ah! Vas-y! T'es trop grand! C'est incroyable! Chat! Hey, tune bar! 20 subs, mon bébé! Merci, mon vieux! Merci pour les 20 subs! C'est nickel? Le son et tout, c'est bien? J'aime pas, je stresse. Tu stresses quoi? Allez! Gros boulot!
Des subs. Hein? Vite. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas ça ton travail. Merci. Ah, voilà, ok. Vas-y, si y a des subs, elle baisse mon pantalon maintenant en plein live, vas-y. Non. Vas-y, tiens. Arrête. Oh mon Dieu, c'est là, long. Vas-y. Arrête. Ok, vas-y. Laissez son fiac, arrêtez. C'est bon? Oui, t'es bien, c'est bon. Je suis bien? Oui, t'es belle. Mais attendez, c'est bizarre, ça marche si bien. Une claquouille par seul. Ok. Attends, mais du coup, c'est compliqué parce que. Ta mère! Je vois pas. Ah si, je peux voir le chat ici. Non. Mais c'est quoi le téléphone qu'on a là? Bah, c'est l'autre. Oh. Bon, le chat, vous voyez le sol? Là, oui, bah, 2 secondes. Hein. Ah, ça, c'est mes chaussettes, du coup. Qu'est-ce que je. Ça me coupe. Mais oui, mais. C'était pas comme ça que je voulais faire ma souris, tu sais. Bah oui, mais pas longtemps, de toute façon, parce que je pourrais poser le truc. Alors, ça, c'est une planche de surf. Ça, c'est une autre planche de surf. Ça, c'est le contenu que vous voulez voir. Et du coup, ça, c'est un punching ball. Ça, c'est un autre punching ball. C'est à moi de faire ça. Ah, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est le coffre. C'est là où il va finir. Attends. Quoi? Oh non. Yep. Voilà. Bah, je sais pas ce que vous dites, j'ai pas le chat. Voilà. J'espère que vous êtes sympa. C'est tout. Attends, ah oui, merde, le pneu. Oui, le pneu va exploser. T'as quelque chose à me dire? Viens, on gonfle le pneu. Non, t'as un truc pour gonfler le pneu? Oui. Bah vas-y. Vas-y. Ça, c'est une brûlure. Attends, bouge pas. Ça, c'est une brûlure. Encore? Stop. Encore là? Oui, c'est une cicatrice de brûlure. Pourquoi? Parce que c'est. Le surf, c'est très dangereux. Vraiment, je l'ai encore? Oui, tu l'as encore. T'as une cicatrice. Ok, et chat. Oh, vous êtes là, vous faites avec moi? Et 1, et 2, et 3. Ok, on va commencer. On va commencer. Mais tu bouges trop vite. Par prendre les poignets. Ok. Oh mon Dieu. Désolé, monteur. Ça va très vite. Voilà. Et je vais faire une séance. Excuse-moi. Je vais faire une séance de bizarre. Je vous ai mis un peu de musique derrière parce que c'est moins cringe. C'est quoi? J'ai mis d'électro swing. Oh wow. Ok. Oui, parce que c'est trollesque. Ouais. Donc voilà, et on va faire 4 séries de 10. Alors moi je vais à 15, mais vous faites 10. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi? On dirait que tu fais un exposé. Ah, du coup, moi je vais faire 15. Et de 10 pompes, d'accord? Allez. Attends. Allez. C'est bon? C'est bon? Vous êtes prêts? À 1h du mat? Oui, à 1h du mat. Il est déjà 1h. D'accord. Allez! Mais attends, mais en fait, j'ai mis pause. Ok. Comment tu mets pause? Non, mais j'ai. Non, pas là, ça. Enfin, sur mon activité, quoi. Quelle activité? Tu joues à Pikmin? C'est Animal Crossing, déjà. Tu joues à Pikmin? Attends, je garde le chat là. Je peux avoir le chat? Au pire, t'es le streamer, non, mais c'est pas grave. Pour le ah, ok, ça va. Ok. Un, deux, trois, quatre. 5. Oh mon Dieu, mais je comprends pourquoi il t'appelle Master Cringe, c'est horrible. Non mais on entendait. Des... 1h du matin. Oh mon Dieu, quoi. C'est pas grave, ok? C'est pas grave, il n'y a pas d'heure après, on va aller se coucher. Mm-hmm. Le but, c'est qu'on se repose, ok? Voilà, et là, on prend 1 minute de pause, ok? 1 minute de pause. T'as le droit de parler pendant 1 minute. Hein. Vous avez vu mes crocs? Oui, regardez les charmes. Putain, j'ai les termes, c'est horrible maintenant. On est des vieux, c'est fini. Attends, je vais changer de casquette. Oh non, non, non. Là, juste.
Coucou le chat. Voilà. Comment peut y avoir autant de monde? Voilà, je sais pas. Mais on est dimanche. Après, demain, c'est la rentrée aussi. Bah, justement. Ah oui, t'es toujours là, pardon. Donc, il y a 30 secondes et une minute de pause. OK? Non, c'est... Allez, c'est parti. Donc, moi, si vous remarquez, je mets les trucs comme ça pour isoler les pecs, les poignets. Elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. Après, si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas les poignets, vous pouvez les faire comme ça. Mais ça fait un petit peu plus mal. On voit quelque chose là ou pas? Ah, ils sont à fond là. Ou quelque chose. Comme ça, OK? Mais là, c'est pour les pecs. Yep. Pardon. Wouhou. Ouais. Non. Arrête. Ah pardon, ok. Je suis concentré, ça fait mal. Ok, pardon, excuse-moi. Okay. Je viens de lire, il y a un mec qui a dit, il fait quoi, c'est ça? Laissez-moi, les gars. Il s'entretient. Voilà. Attends, je vais faire... Batman. Non, tu veux pas en refaire une? Le chat, il va faire la même. Mais non, mais qui est en train de faire avec moi? Ben oui, c'est pour ça. Ça marche bien, là. C'est fluide. Qui est en train d'en faire avec moi? Qui? Personne? Eh les gars, c'est pas bien. Hein. Faites des pompes. Il y a personne. Bah non, il est une heure. Il y a quelques mois, là, ça y est. Non, mais c'est des trolls, je suis désolée. Non, attends, c'est vrai qu'il y a du retard. Tu fais les triceps, là? Non, c'est faux. Pourquoi tu te mets dodo? Parce que j'isole mes pectoraux en les contractant. C'est Gymshark, ça? Ça, c'est Gymshark. Ah! Ça, c'est Gymshark, mon sponsor. Wow! Ça aussi, c'est Gymshark. Ouh! N'en montre pas trop. Et les chaussettes ne sont pas Gymshark. Non. Mais nos fripies. Moi, j'ai acheté un step et une corde extensible. Ah, ça, moi, je suis là pour te recommander à faire du sport. D'accord. Et la corde, tu fais quoi avec ça? Le step, j'aime pas, moi. C'est quoi? C'est ça? C'est ça, une corde extensible? Excuse-moi, pas les jambes? Non, non, pas les jambes. Attends, ça y est, ça fait une minute, là. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait une minute, on y va. Chad, vous allez faire les pompes avec lui, OK? Comme ça, il pourra allez. Pas dire que vous en faites pas. Hop là. Est-ce que c'est à gerber ou pas comme mouvement? Je l'ai dit, chat, que ça allait être cringe. Je l'ai dit que ça allait être cringe. Non, mais tu perds ton équilibre, tu t'es dit. Oula. J'ai dit que ça allait être cringe. Donc, comment ça va sinon, pour de vrai? Tu devrais te lester. Yes. Non, mais t'inquiète, là, je m'échauffe et après, j'utiliserai des poids. Donc, je sais que je devrais me lester parce que les pompes, ça ne fait plus rien. C'est trop facile pour moi, mais j'aime bien quand même. J'y vais, bonne nuit. Tu m'hypnotises pour que je reste. Fredo, claque ton prime. Claque ton prime. Fredo, claque-le. Claquez vos primes. Claquez vos primes. Ah, mon Dieu, stop. Claquez-les. C'est quoi cringette? C'est qui cringette? Bah, c'est moi, je suis cringeo et. Derrière la caméra, vous avez cringette. Yep. J'ai ma philo. On s'en fout de la philo. Non, ça ne sert à rien, la philo. Kids, stay in school et don't do drugs. Qui
Qui c'est qui fait? Bah, ils sont tous à max. Hein. Qui? Je vois pas l'angle. Quel angle? Ah, mais quel angle? Qui c'est qui fait? Qui c'est qui fait avec moi, les gars? Demain, on va peut-être faire un live. Non. Où on va devoir changer le pneu, là. Ah oui, attendez. Parce qu'il est... Il est mort. Voilà. Oh putain, c'est pire, là. Bah oui. C'est de pire en pire. Yep. Oh, oula. Oula. Tu peux tourner. Oui, bah, je suis au max. Là, là j'ai encore une dizaine de philo à faire. Eh bah, claque ton prime. Pourquoi t'as pas encore claqué ton prime, Alex? Moi, je fais... dos biceps. Toi, t'es nul. Fais des pompes diamants aussi. Non. Là, là, les gars, on a fini les pompes. Ça y est, j'en ai fait 4. Hein. Je crois. J'en ai fait 4. J'ai fait 4. 4 séries. Maintenant, on va passer au poids, les gars. Non, okay. Non. Tu peux faire ça. Fais des tractions. La cuisine, oui, on va faire la cuisine. Fais des tractions. Non. C'est fatigant. Bah, c'est le but du sport, non? Non. Ah, ok, pardon. Là, on est dans la gonflette. Ah, là, on est du show-off. Oui. D'ailleurs, fais voir un peu. Pas si vite. Donne ton bras. Regardez ça. Incroyable. Yep. Voilà. Donc là, je vais prendre des poids. Ah oui. Et on va faire des trucs. Allez. T'as pris combien de kilos, là? Oh non, cet angle, je peux pas. Attends, c'est horrible. Attends, vas-y, c'est... Non. Voilà. Donc là, c'est l'échauffement. T'as pété? Les jambes, j'arrive plus à me lever. Donc, passe pied à terre pour l'équilibre, ça noble. Oui, mais du coup, après, y a, ton dos il est coupé et moi, j'aime pas. Alors, oui, mais il paraît qu'il faut que ton dos soit complètement comme ça pour sauver des trucs. C'est des mini-séances. Attends, mais attends. J'ai dit un vrai truc, c'est TikTok qui m'a appris. Le dos, il doit être courbé. Oui, de ouf même. Chat. Le dos doit être courbé ou pas? C'est TikTok qui a dit, donc c'est pas carré. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Julien dans le chat et qui ont le dos courbé? Quoi? Non, ça le détruit. Ah, cool. Nice. T'es trop grand pour ça, ok. Voilà. Voilà, je suis trop grand. Donc là, on attend une minute de pause et on reprend. Et du coup, bah voilà, hein, c'est ça les séances, les gars. Et c'est pour ça que je veux vous montrer un maximum. Mais ça prend du temps et j'espère que enlève les jambes du banc. Écoute, PDG Lim Sassé, tu ferais mieux de t'occuper de ton entreprise, d'accord, et que de t'occuper de moi, d'accord. Je mets mes pieds sur le banc si je veux. Et alors là, je vais passer au stade supérieur. Parce que les pectoraux et les triceps, c'est mon point fort. Donc, je peux me permettre de prendre plus. C'est juste les jambes. Arrête de rire, arrête de rire. Arrête de rire, c'est plus lourd quand tu rigoles. Mais c'est juste que dans la troisième personne, à 1h30 du matin, en train de soulever mon pote. Imagine les gens qui arrivent sur mon stream. Tu t'es pas blessé? Non, ça. Imagine les gens, ils absents. Ok, stop, non, c'est pas grave. Mais c'est une redite. C'est pas...
Bon, du coup, pause de 1 minute. Je n'arrive pas à faire ma séance. Je suis désolée. Putain. Oh putain, je pleure. Ah non, commence pas par contre. Non, 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 sois sérieux, tu vas te faire mal. Professionnel, je suis désolée. On est à bientôt. Me virez pas. Tiens, prends. Oh putain, oh putain. C'est plus lourd, quoi. Rigole. Ouh. Ah, oh. Ok. J'ai pas de bon, idiot. Eh bien, continue à faire des pros. Donc, en gros, techniquement, ta séance, c'est que faire des pros. Ok. Aligne des haltères à tes pecs, descend pas trop bas. J'en peux plus des experts de muscu, là. Jean-Michel pèse 60 kilos, 58 kilos tout mouillé. Et j'ai vu une vidéo de Thibaut X9. Et du coup, eh bien, je donne des conseils. Donne-moi des conseils pour les jambes, mais pas pour le reste. Non. Allez. Vas-y. Alors là, t'es tout seul, mec. Je ne comprends pas. C'est bon. Bon, bah, séance annulée. Merci. Tu pars streamer ? Non, toi, tu pars. C'est vrai ? Oui. Allez, tiens. Ok, chat. Je peux pas. J'arrive pas à... J'arrive pas à premier degré. J'arrive pas. Allez. Je suis désolé, les gars. J'arrive pas. Et du coup, je vais orienter la caméra. Je vais la poser, je vais la remonter. Qu'est-ce que là j'y arrive pas. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça. Ok. Les plans seront moins bons, les gars. Les plans seront moins bons. Squat. Arrête d'abandonner. Non, mais c'est bon, je rigole. C'est chiant. Là, je vais plus rigoler. Elle est plus là. Je vais plus rigoler. Allez. Allez. Vous avez encore la musique, rassurez-moi les gars. Vous avez encore la musique parce que c'est archi cringe là. Tiens, j'ai envie de retirer ma casquette. J'ai envie de retirer ma casquette. Le menton de Locke. Ah oui, je suis comme ça. Ah oui. Souffle quand tu pousses. J'ai mal au coude. Je fais comment? Tu fais attention. Et normalement, juste poids du corps quand tu as mal quelque part. Moi, tu vois, par exemple, j'ai mal au genou là. Pour faire les squats. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais des squats quand je les fais, quoi. Je fais des squats manuels. Au poids du corps, en gros. OK? Eh, c'est cool, hein, ça. Putain, ça marche bien. Hein. La batterie et tout, elle ne s'épuise pas beaucoup. En plus, c'est cool. C'est cool. La friade, ça va bientôt une machine. Franchement, mec, j'estime que je suis quasiment déjà une machine. Hein. En vrai. Hein. Genre, je suis très sportif. En fait, mon plus gros point faible, c'est les jambes et le cardio.
Mais en dehors de ça, je pense que sportivement, je suis pas si mal. Je suis pas si mal. Pas assez fort la musique. T'as quoi au genou? J'ai la vieillesse. Tu verras quand tu auras 32 ans, frérot, et que tu vas squatter comme ça. Là. Eh bien, après, peut-être que je l'ai fait mal, mes squats, mais du coup, j'ai mal au genou. Souffle quand tu pousses. T'inquiète, je souffle, c'est juste que tu n'entends pas. Mais t'inquiète, je pousse. Oh, putain. Allez, les gars, on y retourne. Les gars, il n'y a pas d'heure pour enclencher, sachez-le. The Rock, il enclenche matin, midi, après-midi, soir, et même le soir et tout. Il se lève le tard le soir, ou même des fois, il fait des séances à 1 heure ou 2 pour garder la ligne. Inscris-toi à Koh-Lanta. Non, ça sert à quoi de s'inscrire à Koh-Lanta? Je vais m'inscrire à Koh-Lanta. Je vais perdre. En 30 jours, je vais perdre tout ce que j'ai fait en 4 ans. Tout. Tu veux que je m'inscris à Koh-Lanta, lui? Tu veux que j'arrête de bouffer pendant 30 jours? Super. Montre la veine. J'ai pas de veine. J'ai rien, frérot. J'ai rien. Tu souffles. Après, alors toi, frérot, tu vas aller souffler aussi. Et les yeux, tu vas aller souffler. Hein, tu vas aller souffler pendant 10 minutes, c'est ça? Tu veux souffler? Torse nu. Johanna, tu n'es même pas Twitch Prime. Tu n'es même pas sub et tu veux me voir à poil. Tu te rends compte? Tu restes pas un jour. Va cuisiner. Point fort, pec 20 kilos. MDR, c'est mon point faible. Je suis à 36. MDR, je suis trop fort. Ouk ouk. Frérot, j'ai tellement de vélocité, je te mets à terre. Je te mets à terre. Tu dois peser soit 110 kilos. Tu vas peser 110 kilos. T'es un gros teuteux, comme j'aime les appeler. Frérot, je te mets à terre. Regarde. Tu crois que tu me fais peur? MDR, c'est à 36 kilos, mon point faible. Regarde aussi ton point faible. Regarde bien où il est, où ton point faible. Regarde bien. Ça, c'est toi, ça, mon frérot. MDR, regardez. Tiens. Et là, tu n'es plus en état de dire une guerre, c'est mon point faible. Non, t'es par terre. Ok? OnlyFans muscu, non, c'est cringe, frérot. C'est, je pense que c'est le move de ma carrière qui serait le plus cringe de toute la planète. En gros, je vais vous mettre un angle assez sympathique pour cette session-là. Voilà, je vais vous mettre un angle sympathique. N'hésitez pas à sub. Voilà, n'hésitez pas à sub. Je vous mets un angle assez sympathique. Mais je pense que le OnlyFans, ce serait vraiment le truc le plus cringe que je pourrais faire de toute ma carrière. C'est vraiment très cringe de faire un OnlyFans. Hein?
Ce serait très cringe, je pense, de faire un OnlyFans dans toute ma carrière. Ok? Mais ouais, tu sais, sur Twitch, c'est compliqué en ce moment. Il faut se donner. Il faut se donner pour gagner des vues et des followers, surtout des subs. C'est très compliqué de faire en sorte qu'ils continuent à claquer leur prime. C'est vraiment un challenge perpétuel. Ok, et du coup, là, maintenant, supposons qu'on en a fait 4, alors que techniquement, j'en ai fait 3. Je vais vous mettre l'autre caméra. Voilà. Je vais vous mettre ici. Tac. Oh là là, quel caméraman. Voilà. Voilà. Putain, fais chier, c'est haut. C'est trop haut. C'est trop haut, chat. C'est trop haut. Je crois que je les mets à... Attends, non, quoi que, non, je suis bête. Je vais monter, ça se trouve, c'est parfait. Oh, le bête. Oh, je suis bête. Parce que là, on va perdre l'incliné, les gars. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et c'est génial. C'est vraiment génial, les gars. Je crois que là, c'est bon. 30 degrés. Oui, c'est parfait, 30 degrés. C'est parfait. Voilà. Hop. Voilà, on va partir sur du 30 degrés. OK. Qu'est-ce que vous dites? Only cringe. Pourquoi tu l'as mis aussi haut? Voilà, c'est pour ça. C'est pour faire du 30 degrés. Alors ça, il y a deux manières de le faire. Si vous êtes chez vous, et que vous voulez faire de l'incliné, vous pouvez faire un truc trop stylé. C'est ça, les gars. Vous mettez vos pieds sur un truc en hauteur et vous faites des pompes et inclinées. OK? Et en gros, c'est l'inverse de ce que je suis en train de faire. C'est la même chose. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je crois que c'est le haut des pecs. Je crois. Je crois. Ah. Voilà, sympa les chaussettes. Merci frérot. C'est ma meuf qui me les a offertes pour mon anniversaire de Noël. Ok. Est-ce que vous voulez un plan plus intéressant? Je crois que le plan, il est pas très sympathique. Je vais essayer de vous donner un meilleur plan. Ok. Tac. Tac. C'est mieux là? Hein? Non? C'est peut-être mieux comme ça, attends. Oh, quel Instagrammeur, putain. Je suis vraiment un Instagrammeur. Quel Instagrammeur. Ok, là j'ai 10 kilos de chaque côté, plus la barre qui fait 10 kilos. C'est pas si mal. Alors, je crois que c'est pas le meilleur angle, Kat. C'est un angle assez cringe. Non, la première, tu fais jamais lourd. Tu t'échauffes, le club. La première, tu fais jamais lourd. 10 kilos seulement, ça fait 30 kilos environ. Ça fait 30 kilos. Et en incliné, c'est arrête de copier amourante. Pourquoi tu as grillé mon jeu, toi? Tu n'es pas supposé griller mon jeu. Je copie si je veux. Non, tu étais à 45, pas à 30. Non, la barre fait 10 environ, donc ça fait 30. Pousse la barre vers l'avant pour les muscles profonds. Ok, je... Jibs, regarde, Jibs, je t'emmerde. Jibs, je te hoste, je te booste ta chaîne, t'as 10 000 subs et après tu m'abandonnes. Simer, au The Event, Simer. Tiens, voilà, Jibs. Si t'es là, Jibs, merci frérot. Hein, c'était bien cool. C'était bien cool. En tout cas, on serait bien marré, frérot. Ça aurait été très, très drôle. Et je regrette beaucoup ta pété de rire, fils de... Je regrette beaucoup ta présence, frérot.
Et franchement, tu sais, j'ai beaucoup de place ici, si jamais t'arrêtes de passer. Mais bon, il est trop occupé, jouer l'argent des subs là au poker, là, trop occupé, en train de jouer l'argent des subs au casino, trop occupé à regarder du petit tennis, là, un petit richou, la sale riche. Bon, voilà. Allez, c'est parti, on reprend. Je vais augmenter un petit peu. C'est cringe, hein? Bien sûr que c'est cringe, les gars. Bien sûr que c'est cringe. Voilà, je vais rajouter 5, mais je crois que c'est une mauvaise idée. Mais les 5. Clac-clouc-clac-clic, voilà, clac-clouc. Alors, tout est du décathlon, mesdames et messieurs, je sais. Je suis même pas sponsor. Je suis même pas sponsor, ce qui est une honte, mais bon. Peut-être en faisant des lives comme ça, ceux qui vont me sponsor, mais heureusement j'ai le sponsor Gymshark, moi. Hein, heureusement j'ai le sponsor Gymshark. Donc voilà. Là je suis à 40 kilos du coup. Mais en incliné c'est plus dur. D'accord? Non, là il pleut tous les jours, il y a de l'orage. C'est relou. Ok, mais sinon vous aimez le sport à 2h du mat? Je ne le ferai jamais. C'est la seule et unique fois, d'accord? Ce que j'aimerais faire, moi, c'est surf, mais en fait, le problème, c'est que je suis un peu à voile et tout, et c'est relou, quoi. Il y a ça et il y a le problème technique, c'est de filmer du surf et de live, surtout parce qu'un blog, je le fais au calme, mais du live, c'est très compliqué. Voilà, les plus que deux. Et après j'ai pas mal de trucs. Pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, je suis en train d'essayer de changer mon concept de streaming. Je suis en train de faire en sorte d'attirer de nouveaux viewers. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà. J'espère que ça attire pas mal de viewers. Et puis, voilà. Ouh, excusez-moi, ma caméra est tombée. Il y avait un problème de batterie. Mais il fait rien ou c'est son échauffement? Écoute, écoute. Commence à te lever de ta chaise et faire du sport avant de me critiquer à faire quoi que ce soit, ok? Ici, on est cringe. Ici, on assume. Et c'est incroyable que la VOD n'ait toujours pas bugué là. C'est fou. C'est fluide et tout. La qualité, elle est bien, les gars? C'est ouf. Je suis trop content. Putain, le mec qui a dit OBS Ninja, je devrais lui mettre un VIP. Ouais, Gibbs, ce serait bien que tu fasses ça toi aussi. Dans ta salle de milliardaire, là. Il y a 30 kilos. Alors, au développé couché normal, je crois que je fais beaucoup. J'en vois beaucoup. Mais le micro, faudrait l'améliorer. Alors, c'est ça le problème. Le micro, je pense que je peux brancher ici. Un micro, tu vois, en USB-C. Et je pense que là, ce serait nickel. Ce serait nickel. Non, là, je suis à 40, là, je suis à 40. Là. Mais après, je pense, en développé normal, je suis à 60, 70. C'est moi qui ai dit OBS Ninja. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Des AirPods? Tu penses des AirPods, ça marcherait? Non, je pense pas, moi. Prends un micro-cravate. Non, ce qu'il faudrait, les gars, c'est juste que j'envoie le flux sur OBS avec un serveur RTMP. Et si je fais ça, c'est le top. Tu filmes avec un téléphone? Non, là, c'est un téléphone. Ok, les gars, on y retourne. Vous voulez le même plan ou un autre plan? Regardez. Comme ça, je fais une variante. Regardez la variante. La variante, les gars, la variante. Je suis vraiment un Instagrammeur. Hein. Je suis vraiment un Instagrammeur. Vous avez toujours la musique? C'est pas très cool. Ce n'est pas le moins qui compte, qui se livre. Ce n'est pas le moins qui compte, mais avoir la bonne technique, combien soulève 90, 100, et quand tu le fais, faire l'exercice correctement. B2, Olas, est-ce que tu peux claquer ton problème, s'il te plaît?
Merci beaucoup. Ok, c'est parti. Plan devant, il y a une aérodynamique circulaire face à l'alignement de Saturne et JB. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis, Cutlord? Qu'est-ce que je peux lire comme connerie? En un an, t'as grave pris des bras, poteau, GG. Merci, mec, mais moi, je vais te dire la vérité. J'ai l'impression que ça fait 4 ans, frérot, que j'ai absolument rien bougé dans ma vie. 4 ans, frérot. Allô? Bouge, caméra de cuc. Ah, c'est cool, je peux bouger manuellement. Comme ça, non? Non? Mais putain, mais c'est formidable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai beaucoup pris, mais en 4 ans, je n'ai pas l'impression. Donc, voilà. Tes séries ne sont pas longues et tu as 20 minutes de cours quand même. Non. Et tu as 20 minutes de récup à chaque jour. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Je fais 4 séries. Et je fais une minute de récupération entre chaque truc. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? T'as pas de photo avant après? Si, j'en ai. Mais du coup, je suis à poil. Et du coup, ça, je la liquerai que je ferai Mastu. Je ferai comme Mastu. Je la liquerai plus tard. Mais plus lourd, t'es facile, sinon propre. Non, moi, je suis pas ce genre-là. Tu verras quand t'auras 31 ans, frérot. Je pense que moi, j'ai très peur pour mes articulations et tout. Et du coup, je préfère être à l'aise dans ce que je fais et bien maîtriser le mouvement. Essayer de manger plus, ouais, je sais, mec. Ça, les gars, c'est mon point faible. C'est mon point faible. Mon point faible numéro 1, les gars. C'est bouffer, bouffer, bouffer. Allez, la dernière, les gars, et après, on va faire les trucs cool. Ça, c'est la dernière un peu chiante. Donc, voilà, vous avez tous un développé couché, n'est-ce pas, les riches? Vous avez tous un développé couché chez vous. Donc, allez-y, c'est la dernière. Voilà, et là, on va faire des trucs cool, les gars. On va faire des trucs cool. Là, j'ai ce siège que tout le monde a, bien entendu, mesdames et messieurs, parce qu'on est tous riches ici. On est tous riches. Et bien sûr, bah, tous les riches ici, à 2h du matin, vous avez tous ça. En tout cas, grosse force, tu motives les plus jeunes à faire du sport. J'espère, franchement, j'espère. J'espère parce que c'est très important. J'aurais dû m'y mettre beaucoup plus tôt. Je m'y suis mis à quoi? 21 ans, moi? 21 ans. Et j'aurais préféré être sportif déjà depuis mes 14-15 ans, tu vois. Mais tu sais, pas un vrai sport, pas de la muscu. Il est 2h, tu fais du sport. On entend tout. Ah ouais, on entend tout dehors. Putain, merde, tout ce que je raconte, les gars. Les gars, normalement, ça résonnait de ouf. Et tu sais, la fenêtre, elle est ouverte et on entendait tout. On entendait absolument tout dehors. Les mecs, ils entendent un live commentary à 2h du mat, un connard qui a pas de sport. Ok. C'est parti, Mickey. On va faire le butterfly là. Donc là, on pousse avec les coudes. On pousse avec les coudes. Alors, ça, c'est une petite machine de merde, les gars, qui m'a coûté 300 euros. J'aurais dû mettre 1000 euros de plus. Je vous avoue. Parce que honnêtement, cette machine, c'est une daube, les gars.
En fait, tu fais tous les exercices quasiment avec ça, mais moins bien. Voilà. Et mes séances cardio se basent sur des. Enfin, quand je les faisais, parce que maintenant, je fais vraiment plus de cardio, parce que chaque fois que je me pèse sur la balance, les gars, je me sens mal. Et mes séances cardio, bah, c'est souvent le punching ball et tout. On est tous riches, bien sûr que vous êtes riches. RIP le téléphone avec la puissance d'un téléphone de 2017, qu'est-ce que tu racontes ? La machine te met bien en valeur. Non, cette machine, elle est vraiment. Elle est vraiment pauvre. Putain, merde, il faut que je remette mes crocs. Je suis en train de baiser mes chaussettes préférées. Comment on capte le prime? Tu n'as pas le prime. Ne plie pas tes poignets sur le développé incliné. Tu vas vraiment avoir du mal aux circulations. Ok, ne me plie pas. Tu veux dire, il faut que je reste droit les poignets comme ça et pas comme ça, c'est ça? Je garde les poignets droits comme ça et pas comme ça. C'est ça que tu es en train de dire? Ok, si c'est ça, merci du conseil, c'est noté. On y retourne. Alors là, je crois que je n'ai même pas fait une minute de pause, mais ce n'est pas grave parce que je suis. Bon, pour moi, ça, c'est du gratos. C'est gratos. Après, il y a les triceps, mais on ne va pas les faire ce soir. Je vous le dis, on fait une petite séance. Et les gars, moi, normalement, mes séances, je les faisais à 22h. Ah bon? Mes séances, je les faisais à 22h et je finissais à 1h du mat. Et je faisais des séances de bourrin avec beaucoup de temps de pause parce que la salle est fermée à 23h30. Le mec, le proprio, il éteignait les lumières à distance. Et on restait dans la salle, les gars, jusqu'à 1h du mat, c'était incroyable. Et après 1h du mat, le proprio, il mettait l'alarme à distance parce qu'en fait, c'était une salle 24/24. C'est... Enfin, pas 24/24, mais tu sais, elle ouvrait. Il n'y avait pas de personne, il n'y avait personne dedans. Et du coup, à une heure du mat, le mec, il mettait l'alarme pour qu'on se casse. Parce que le gars coupait l'électricité, mais on était quand même dedans, tu vois. Et je faisais du sport avec des bourrins, des gros bouts, des gros bœufs, tu vois. Des mecs qui prenaient pas d'auton dès le matin, tu sais, boum boum. Ça, il y avait un mec qu'on l'appelait dans la salle, on l'appelait Patoton. Tellement qu'il me parlait de Patoton, le mec, on l'appelait Patoton. C'est un super pseudo d'ailleurs. Si vous voulez vous appeler Patoton, c'est un super pseudo. Donc là, je suis quasiment au max du poids de cette machine. C'est pareil pour les jambes, là, sur cette machine, je suis quasiment au max. C'est vraiment pas fou. Voilà. Pourquoi tu prends pas un coach sale riche? Je pense que c'est pas le problème du coach. En fait, le coach, je parle du principe où quand tu prends un coach, c'est plus pour la motivation que tu prends un coach que pour autre chose. Parce que moi, je pense que j'ai passé le stade d'un coach aujourd'hui. Je fais bien les mouvements, je connais bien, tu sais, genre, j'ai eu des coachs au début, des mecs qui m'expliquaient comment utiliser telle machine, tu vois. Et je pense que les gens qui prennent des coachs, c'est plus parce qu'ils manquent de motivation. Et moi, ça me casse les couilles parce que le jour où tu n'as plus de coach, bah, tu arrêtes tout. Et après, tu dépends de ce truc-là. Et moi, tu vois, psychologiquement, je veux vraiment que dépendre de moi-même pour aller à la salle, pour me bouger le cul et faire du sport. Parce qu'en fait, si tu commences le sport avec des potes, eh bien, quand tes potes, ils se cassent, c'est terminé. Tu vas arrêter le sport. Quand tu commences un truc avec des gens, quand tu commences un truc avec des pros, quand tu commences un truc avec n'importe qui dans la vie, frérot, quand cette personne te lâche, et crois-moi, cette personne va te lâcher, eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Donc en fait, il ne faut que dépendre de ça, là, de ce qui se passe là. Okay, c'est le plus important. Et pour moi, en fait, je pars du principe où vraiment, je veux juste affronter moi-même. Je veux m'affronter moi-même dans le sport. Alors, je suis encore une brindille, mais tu vois, je ne lâche pas. Je suis là, j'ai mes périodes aussi, hein, bien sûr, comme tout être humain. Mais je suis là et je lâche pas. Et ça, c'est le plus important. Parce que j'en ai ras le cul, les gars. Je l'ai fait l'expérience du coach, je l'ai fait l'expérience des potes, j'ai fait toutes ces expériences. C'est de la merde. C'est de la merde. Après, j'ai la chance d'être streamer. Parce que du coup, j'ai une vraie motivation aussi à me dire, vas-y, je motive aussi les troupes, tu vois, vous. J'embellis mon image, tu vois, à être un petit peu plus.
sais, avoir l'air un petit peu plus riche. Parce que du coup, plus tu as l'air musclé, plus tu as l'air riche. Et du coup, ouais, c'est important, tu vois. Du coup, ça montre un petit bon exemple. Allez, plus qu'une. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Je fais des pompes H24, je vais que prendre la masse. Ok, bravo. Et puis sinon, je vais toujours devoir se mettre d'accord avec l'autre pour les heures et tout. Oui, c'est très chiant. Frérot, sors les pecs. Butterfly chest, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais quoi comme exo pour les jambes? Alors, je fais des squats. Et voilà. Voilà ce que je fais. Les gars, si vous devez aller dormir, allez dormir. Hein. Hey, moi, je vous ai dit, un live sport, c'est cringe sa mère. Hein. C'est cringe sa mère, surtout avec les temps de récup et tout. Tu peux pas genre tout enchaîner. Tu brilles, bah oui, c'est normal. Je transpire, tu vois. Je transpire. Pour les jambes, les gars, je fais ça. Et ça, les gars, je vous jure, c'est, ça te déchire. Ça te déchire. Pour les jambes, tu fais ça. Un attaque. Je fais ça pour les jambes. Tu mets ton pied là. Tu tournes comme ça. Ça, ça te déchire. Vraiment, ça te déchire. Et ça, j'aime pas du tout. Ça me fait mal. Et moi, j'aime pas avoir mal. Je te regarde. C'est les Bulgarian Squat. Bulgarian Squat. Allez, le dernier, et après, je monte des articles. C'est beaucoup des articles. Mais vous savez, les gars, là, ce que je fais là, c'est peut-être un peu trop. Sachez que ce que vous pouvez faire, c'est juste des pompes. Et déjà, tout va changer. Faites 4 séries, toujours 4. 4, c'est le chiffre magique. Ou 3. Mais 3, j'aime pas, c'est tu t'accordes de 4. J'aime pas ça. Mais tu fais 4 séries de 10 pompes. Tu fais ça 4 fois, 5 fois par semaine. Ta vie va changer. Déjà. Juste ça. Juste ça. C'est ouf. Hein. Mais tous les petits trucs que vous pouvez faire au quotidien, bah faites-le. En fait, si vraiment vous avez la flemme de faire des grosses séances de 1 heure, 2 heures, ce que je fais à peu près, tu vois, je fais des séances de 1 heure et demie, moi. Et vraiment, les gars, genre, faites ça. Faites ça. Fais la chaise contre un mur. Tes cuisses vont gonfler toutes seules. Ah ouais? Moi, c'est pas les cuisses, c'est les mollets, frérot. Moi, c'est les mollets, frérot. Moi, les mollets, les gars, mes avant-bras sont presque aussi grands que le mollet. Regarde, c'est horrible. Je fais des pistoles squat et du vélo. Le seul pistolet que je vais mettre, c'est dans ta tête. Bon, c'est bon, j'ai fini. J'ai fini ma séance. Et du coup, moi, je finis toujours mes séances par des abdos. Mais là, on va pas les faire parce que là, vraiment, je vais suer ma race. Et du coup, je vais pas les faire. Mais là, je vais vous montrer un truc bien cool. On peut faire avec des élastiques quand vous les coincez dans une porte. C'est grave stylé, les gars. Et ça, hop, je crois que ça, c'est pas mal. Ok. Excusez-moi, je vais devoir déménager un truc. Oups. Faites des dons, hein, faites des dons, les gars. Allez, donc, j'ai coincé deux élastiques dans les pieds de cette machine, ok? Et en gros, tu les prends comme ça, ok? Je ne sais même pas comment ça s'appelle cet exercice, et tu fais ça.
Et ça, ça défonce. Ça, ça défonce, les gars. Ça, ça défonce. Je vais montrer un autre angle après. Un angle beaucoup plus attrayant. Non, pas intéressant. Bien sûr, pour voir les exercices, bien sûr. Wolverine 2.0, entre autres, ouais, c'est peut-être ça. Honnêtement, Pao, c'était assez pour toi. Je pense que tu veux faire les pecs et tu tires beaucoup sur les épaules. Alors, je vais te dire, Dante, on dirait que tu es là dans mon épaule. Tu es là dans mon épaule, là. Allô, Dante? C'est toi, Dante? Hein? C'est toi, Dante? Aïe! Non, t'inquiète, mes épaules, elles bossent même pas dans cet exercice. Mais parce qu'en fait, j'utilise vraiment ça pour faire monter en gros. Tu vois, je fais ça, je fais ce mouvement-là. Et j'utilise vraiment mon pectoral pour monter le truc. Et je croise comme ça. Je fais ça. OK? Je ne fais pas genre ça. Tu vois, si je faisais ça, là j'utiliserais mon épaule. Mais là, elle bosse même pas mon épaule. Tu respires pas correctement. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Comment faire des bonnes séances, entraînement, temps de pause? Je dirais temps de pause entre 1 et 2 minutes. Ça dépend si tu veux perdre ou gagner du poids. J'en sais rien. Moi, je ne sais que gagner du poids, les gars. Et moi, c'est 1 minute de temps de pause. 1 minute de temps de pause à chaque fois. OK? Je me suis mis à la salle depuis ces 2 semaines de vacances. J'y vais chaque jour, même en sachant que je ne prendrai pas de volume car j'ai un métabolisme rapide. Reste positif, objectif Creed. Let's go, baby. Mange, connard. Mange et fixe dans ta tête que tu vas prendre parce que c'est inutile d'y aller à la salle si tu sais que tu ne vas pas prendre. C'est dommage. Pars pas sur un truc négatif. Pars sur un truc positif. Et tu fais un truc positif. Bah, crois en toi. C'est quoi ça? Hey, je vais faire un truc en traînant des pieds en me disant vas-y, ça ne va pas marcher. T'es bête ou quoi? Sois pas bête. Attends, je ne sais pas si c'est temps que vous allez voir. Voilà. Oula, non. Là, vous voyez mes jambes. J'aime pas ça. Voilà. Et là, en gros, tu prends les élastiques comme ça. J'ai la main ouverte. Je me penche un peu, les épaules en arrière et relaxées. Les épaules, les gars, j'ai mis longtemps à les relaxer. Et ensuite, tu fais ça. C'est ça, vous voulez que je souffle. Ok, non, mais je prends note, hein, de vos conseils, en tout cas. Oui, c'est vrai que je bloque ma respiration, t'as raison. Vous avez raison, je bloque ma respiration. Vous aviez raison, j'écoute vos conseils malgré tout. J'écoute vos conseils. Tu boxes un peu. Je boxais. Mais aujourd'hui, je fais un petit peu plus de. Je fais très peu de cardio. Si j'ai ça, ce truc-là, c'est cool. Tu le mets comme ça. En dessous, comme ça. Et tu peux faire du. Tu vois? Et tu peux t'entraîner et ça retient. Du coup, sinon, l'exercice, c'est ça. Et comme ça, en gros, ça, après, quand tu fais un vrai coup, eh bien, tu as l'impression que c'est… Et sinon, j'ai ça aussi, les gars. Cringe, bien sûr que c'est cringe, frérot, bien sûr que c'est cringe. Tu crois qu'on est… Les gars, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les modes cringe? Et regarde, est-ce que ça, c'est cringe? Regarde bien. Regarde bien, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui le font, ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça, tu vas voir si c'est cringe. Hein, les pros là, dans le chat. Les pros, les médecins, les boxeurs, là, tout ça. Hein, on va voir. Hein?
Avant, je faisais ça, les gars. Genre... Ah, les pro-gamers, là. Les pro-gamers, ils sont où? Le pneu? Oui, je sais qu'il est dégonflé. Vous le voyez dans l'angle, là? Vous l'avez vu dans l'angle? Ah bah oui, je sais qu'il est dégonflé. Je sais. Je sais qu'il est dégonflé. Bon, les gars, il faut que je finisse ma séance. Qu'est-ce que vous me faites faire, là? Voilà. Je vous mets loin. Vous êtes punis. Je vous mets loin de moi. J'ai encore une, trois, non? Une ou deux? Je ne sais plus combien. Une, deux, c'est quatre. Les tractions, non mais les tractions, les gars, je fais pas le dos aujourd'hui, vous êtes fous. Faut souffler quand tu pousses, pas à la fin. Oui, j'ai compris, merci frérot. T'inquiète, mais ça se trouve que je bloque pas ma respiration et que je fais des... Que tu n'entends pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais vu que tu es tellement obsédé de devoir me faire des remarques, et puis si, il oublie, il oublie, il oublie, il oublie, tu vois? Tellement, tellement. Magnifique jambe, merci mec. Tu fais comment tes abdos? J'ai pas d'abdos. J'ai pas, regardez. Regardez les gars. Regardez, j'en ai pas, regardez. Vous avez vu ça, les gars ? Je suis gros. Vous avez vu ça ? Je suis gros. J'ai pas d'abdos. Parce que je mange vraiment que de la merde, les gars. Genre, je mange des sucreries. Là, tout à l'heure, j'ai mangé des nachos. Mec, j'ai mangé des nachos. J'ai mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Je sais même pas comment les gens ils font pour manger ça tous les jours. J'ai mangé des nachos avec du cheddar pendant la séance de cinéma, là. De regarder ce putain de The Eternals de nul, là. Donc ouais. Ouais, moi c'est terrible. Dès que je mange des saloperies, ça va direct. Ça va pas dans les jambes, ça va nulle part ailleurs, les gars. Ça va que là et ça me casse les couilles. Comment faire une bonne séance entraînement? Combien de séries? Écoute frérot, regarde sur internet. Si t'es vraiment modifié, regarde sur YouTube. Tu sais pas faire un truc, YouTube. T'as envie d'apprendre à nager, YouTube. T'as envie d'apprendre à respirer, YouTube. T'as envie d'apprendre à coudre, YouTube. Mec, YouTube, c'est la meilleure plateforme qu'on ait aujourd'hui, nous les jeunes. T'imagines ton daron, frérot, il voulait apprendre un truc, il devait lire. Imagine. Toi, t'arrives, t'ouvres YouTube, il y a un bouffon de 14 ans qui t'apprend tout. T'imagines, t'arrives, tu lances YouTube. Bonjour, alors regardez, c'est mon tutoriel. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment hacker la NASA. Alors, c'est simple, vous ouvrez le RedEdit de Windows, vous tapez www.kaplan.land et puis vous hackez la NASA. Et tu peux tout apprendre. Tu peux tout apprendre. Tout. Moi, j'ai tout appris sur YouTube toute ma vie. J'ai appris à jouer de la guitare, j'ai appris à jouer de la batterie, j'ai appris à tout faire sur YouTube. Tout. Tout. Donc, les gars, si vous voulez vous motiver, mais attendez, moi, je suis pas de coach. Hein. Moi, ça se trouve, là, mes épaules, elles sont mortes. Et la manière dont je respire, ça se trouve d'avoir un arrêt cardiaque. Tu vois? Parce qu'apparemment, je respire mal. C'est mieux? Est-ce que vous êtes content? T'as appris à jouer de la flûte? Oui, j'ai appris à jouer de la flûte en live. On t'entend pas? Si, t'entends. Voilà, alors normalement, là les gars, normalement, en fin de séance,
Donc là, techniquement, j'ai fait mes 4 exos. Là, je peux, là, si je suis chaud, j'enchaîne sur les triceps. Et normalement, j'ai fini cette séance. Mais là, du coup, je vais me la péter un petit peu. Et je vais vous montrer ce que je fais un petit peu pour les abdos. Alors moi, j'en ai pas, mais je le fais quand même pour protéger mon dos. OK ? Je vais vous montrer, les gars, cet engin de la mort. C'est l'engin de la mort. OK ? Et ça, je pense que tout le monde devrait avoir. Tout le monde. Tout le monde devrait avoir ça. OK ? Ce truc-là, c'est un rouleau. Et ça, les gars, j'en suis sûr que 99,9% du chat n'est pas capable de le faire. Et du coup, vous pouvez acheter directement chez Corent, Decathlon, hashtag up. Même pas en plus, non, qu'est-ce que j'aimerais. Ils ont un truc avec un câble. Donc, tu te poses dessus. Comme ça, tu poses tes genoux dessus. Et hop, le câble, il va te ramener. OK ? Le câble, il va te ramener. Et moi, je vous avoue que j'ai appris sans câble. Et du coup, bah, c'est un peu un truc de débutant, quoi, avec le câble. Et du coup, bah, moi, j'ai juste la roulette pure. Et la roulette pure, moi, je fais des bisous au sol, frérot. Ah ! OK ? Les épaules, vous les gardez bien basses. Ah ! OK ? Moi, j'en fais 10. C'est 10 comme ça. Et ça, bon, je vous avoue que c'est assez facile maintenant pour moi. Et je vous assure que ça, c'est très dur. C'est très dur, mais ça change une vie. Ça vous booste sur les pieds maintenant. Je crois pas que ça se fait sur les pieds, vraiment. Je crois pas. J'ai vite fait regarder et je crois pas, en fait. Ça te défonce plus le dos qu'autre chose, j'ai l'impression. Log chef pâtissier de père en fils. Voilà. Et après... je fais ça. Tac. Oh là, c'est plein que je fais, les gars. Et ensuite, je fais ça. Ça te pratique à baiser. Si tu aurais pu écrire baiser, hein, frérot. C'est pas banal, je crois que baiser, c'est pas banal, tu nous chattes. Et du coup, tu fais ça. Alors, moi, les gars, c'est ça. Les abdos, je les fais jamais au sol. Parce que j'ai peur pour mon dos. Du coup, là, tu te tiens ici et tu lèves. Mais encore une fois, les gars, je ne vais pas le faire ce soir. Parce que d'une, il est bientôt 3h du matin. Et voilà. Okay. Le problème, c'est que là... Et après, je finis là-dessus. Attendez. Et après, je finis là-dessus. Je finis sur Mountain Climber. Ça, les gars, Mountain Climber, c'est tout le monde devrait le faire. Tout le monde. Parce qu'il paraît que ça nique le petit bourrelet de merde. J'y crois pas. Mais tu te mets comme ça. OK ? Donc, les mains au niveau des épaules. Et tu fais 20 de chaque côté. Boum, boum. Des coups de genoux. Hein. Tu mets des coups de genoux, regarde. Voilà, et après, tu peux finir sur du gainage aussi. Alors ça, c'est brutal. Ça, le gainage, c'est brutal. Tu finis comme ça. Voilà. Et tu rentres le bide. Tu rentres le bide. Voilà. J'arrête là parce que il est 2h du matin, les gars. Et j'ai dit quand je faisais une petite séance. OK ? J'aime pas Mountain Climber. Moi, je préfère Mountain Climber, frérot, que de faire ça là. Cette machine de merde. Et après, il y a les pros abdos qui pour les abdos de ouf, parce que tu as vraiment des psychopathes pour les abdos, parce que tu sais, les abdos, c'est vraiment le truc le plus flex que tu peux avoir dans ton corps. Du coup, c'est vraiment le rouleau que tout le monde fait, alors que moi, je m'en bats la race parce que j'ai pas envie de flex mon corps. Mais tu te mets comme ça. Et tu ne dois pas bouger. Comme ça. Et tu ne dois pas bouger, tu ne dois pas te balancer en fait. Et ça, j'y arrive même pas. Fin de séance. Bravo à tous. Bravo à tous, mesdames et messieurs.
J'espère que ceux qui ont fait comme quelques pompes, j'espère que vous êtes satisfaits. Ça nique le dos. Pas tant que ça, en vrai. Pas tant que ça. Est-ce que, chat, okay, maintenant j'ai besoin de vous, est-ce que vous pensez que je peux réparer mon pneu avec une pompe à vélo? Vous pensez que je peux réparer ça avec une pompe à vélo, les gars? On m'a dit que oui. On m'a dit que oui, les gars. T'es un dingue. Ta pompe, elle va péter sous pression. Ah ouais? Putain, mec, je suis baisé. Et oui, pour le mec qui m'a traité de fils de pute, oui, j'ai une salle de sport personnelle. Merci à vous. Et sûrement pas merci à toi, parce que tu ne me permets pas, tu n'es pas sub. Donc, tu n'es pas celui qui finance. Tu es juste celui qui rage. OK? Et moi, personnellement, je te dis la vérité. Je préfère 1 million de fois financer un streamer qui montre à ses viewers un petit peu des trucs cool que un streamer qui dépense autrement son argent. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de sub à un mec qui motive un peu les troupes. Voilà. OK. Je rigole, c'est bon, détente. Hey. Ah, c'était pas toi, mais apparemment, tu m'as aussi traité de fils de pute. Du coup, tu peux claquer ton prime, mon frérot. Terrain glissant. Ouais, non, mais frérot, c'est ouf. C'est ouf. Il n'y a pas de terrain glissant, les gars. Il y a juste une grande salle de sport dans mon garage. Voilà. Hey, les gars, il y a eu zéro crash, rien. Je suis choqué. Je suis choqué. Oh merde. Oh merde. C'est un requin, les gars. C'est un requin.